Attention, le Portugal pour Dandy 33 qui lance appel depuis le nord-est de France, la ville de Calais. Ah, je me suis trompé, c'est la même voix, je me suis trompé. Et il est au Portugal. Attention de Portugal pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis le nord-est de France, le Pas-de-Calais. Bon, attention des stations à fréquence pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis le Pas-de-Calais, la ville de Calais, directement sur le front de mer. Oui, les 73-51 à la station de la part de Dandy 33, mobile arrêté sur le front de mer de Calais. Oui, ben voilà, sur le front de mer de Calais, face à l'Angleterre, à Chitroico. Ok, à Chitroico, l'ami, ben, les bons 73 du Phoenix 62 que tu as croisé suite à un radio-guidage il y a quelques mois. Ah oui, hachis trois coups. Et bien là, on est arrivé, nous on est arrivé sur le QTH vendredi soir. On a été pas mal occupé parce que bon, on a le fiston de ça là qui habite ici, donc et tout, ça tac, patin, coup fin. On était en famille et il n'y a que là, là ce soir, là où c'est quartier libre, hachis trois coups, et que je peux me mettre en fréquence. Cacophonie derrière. Bah, j'espérais surtout que vous allez passer ce soir. Pour ça, je vais rebrancher le décor tout à l'heure au voisin. Je vais rebrancher un petit 40 canaux, un petit presse derrière mer posté avec un petit Welsh assez élevé à bon volume sur le canal 19. Parce que, bon, par ici, c'est vrai que c'est assez rare d'entendre par quelques routiers quelque chose. Mais non, je suis content de savoir l'ami arrive. Eh bien, tu vois, vu ce que tu viens de me dire, j'ai vite attrapé les lunettes. Eh bien, c'est du 56, là, de mon côté. Hein. Ça passe, hop là, désolé, ça passe assez bien. Là, c'est un bon 56. Mario, qui t'appelle ? Ouais, bah voilà, ça fait. Quand t'es une bouche posée comme ça dans le jardin, à la rafle, avec, sur la ligne standard, j'ai coupé le poste qui était sur. Attends deux secondes, les 73-51 Mario de Nandi 33 depuis le nord-ouest France, Calais. Attends, je retourne le micro quand même, Hachi. Bon, apparemment Mario a pas mal de monde de ce côté, ce qui fait que là je ne dois pas passer. Alors attends, vu qu'il y a la propag qui est là en AM, nous on va passer sur le 32, 32 AM aussi, puis on verra bien si c'est calme. Ok, bon, on va bien voir ce que ça donne. Ouais, ton poste, qu'est-ce que c'est comme poste là que tu as branché? C'est un petit canot, le président Herbert, moi je dois connaître, un bon petit coucou bien large, il fonctionne bien, pas de soucis avec. C'est même le seul où j'ai pas de soucis, c'est-à-dire dans le véhicule, il y a le Jackson qui commence à faire un peu de bruit bizarre, le 3009, on débrouille des cas de 57. Le second 3009, des fois 57, c'est un tout seul, mais celui-là, 40 canaux, là, avec l'antenne de pouce, là, posée, vraiment posée à l'arrache dans le jardin.
Ouais, y a, apparemment, il doit y avoir du monde en Lima, Sierra Bravo, j'imagine. J'imagine que ça va être les Espagnols ou je sais pas, mais tu passes par-dessus. Hein. Donc, pour moi, ça va. le président Herbert, alors, vu que là, je suis dans le push, le président Herbert, il fait que à MFM, je crois, il n'a pas la BLU. Je me souviens plus, j'ai oublié tellement qu'il y a de postes. Ah oui, et puis là, il a une bonne modulation. Hein. D'ailleurs, avec ta permission, là, je suis en train de faire une vidéo. Tu ne me l'as pas donnée, je l'ai prise. Ah, j'ai trois coups. Je travaillerai les vidéos quand je rentrerai au QRA. Hein. Bon, je serai de retour, je rentre de la journée de mardi. je ne sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper mercredi. Oh, je pense que si, je pourrais commencer mercredi. Donc, je ne sais pas. Dans le courant de la fin de semaine, par là, je travaillerai ça. Quoi. Et tu verras, il marche bien. Ok, bah, curieux de voir toi. Là, parce que, voilà, bah, QRZ, je ne sais pas si tu te souviens, ouais, c'est Phoenix 62. Aussi 14 km, hein, 62-22. Voilà, il y en a qu'un, c'est moi. Et bah, maintenant, c'était Rodrigue. Ok, oui, je me suis mis à très bien, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je pense que tu as des souvenirs de mon indicatif kilomètre, hein, 14 km 33-01. Voilà. oui, bah, tout à l'heure, je suis passé comme ça, là, vite fait, là, sur Facebook, là, pour voir un petit peu les messages et tout, ça. Le forum, lui, bah, là, pour le coup, j'ai pas eu le temps d'y aller. Je verrai ça dans la soirée, sinon demain. Voilà. Sur le forum, j'avais averti justement là comme quoi là, je serai sur la région là en ce moment. J'ai mis une petite blagounette. Alors avec un mot d'excuse. Voilà, la planète Sibie francophone excuse mon fils d'Andy 33 qui sera absent, ou je sais plus comment j'ai mis ça, il sera absent de telle date à telle date. Histoire de rigoler un coup. Alors cette blagounette que je fais avec ce mot d'excuse, c'est il y a quelques années de ça, il y en a eu un qui m'avait reproché d'être absent. Alors moi j'ai pris ça à la rigolade. Hein. Et du coup, depuis, quand je pars comme ça, eh bien, histoire de rigoler, je fous un mot d'excuse. Hachis trois coups. Ah, mais c'est une obligation maintenant. Tu es une jeunesse. Tu ne peux pas te libérer de ton micro comme ça pour pas venir. Non, moi, pour le courant, je ne fais pas trop. Je pense que sur enfin, moi, c'est juste que le téléphone portable en mobile pour naviguer là-dessus. C'est pas trop pratique, je trouve. Bon, après, les forums, j'en ai fait plein, hein, comme je l'ai fait. Ouais, ben disons que il y a une petite astuce justement là sur les forums, là pour voir, pour tout voir surtout, c'est ben faut passer en affichage ordinateur ou affichage PC, et là tu vois vraiment tout. Sinon, si tu restes en affichage smartphone, téléphone portable ou tablette, là pour le coup c'est vrai que c'est moyen. C'est vraiment pas ça comme affichage. Je sais qu'à une époque ils avaient trouvé cette solution là au niveau affichage, parce que au niveau téléphone les débits étaient moyens, ceci, cela, ça permettait d'avoir des pages qui s'ouvrent plus rapidement. Mais aujourd'hui avec la 4G et puis la 5G qui se répand de plus en plus, c'est vrai que l'affichage PC sur un téléphone portable est quand même nettement mieux. J'espère que ça concerne la propagation de notre belle ville de Calais. Moi, pour une
Ok. Tu m'as parlé du poste. L'antenne, tu m'avais dit que tu avais posé une antenne comme ça, là, dans ton jardin. Mais c'est, qu'est-ce que c'est comme antenne? C'est une antenne du commerce, fabrication maison. À quelle hauteur tu l'as mis? Parce que j'imagine que si tu l'as mis à la hauteur où tu l'as mis là, c'est parce qu'il devrait y avoir une bonne raison. Peut-être que c'est justement à la hauteur où tu l'as mis où ça passait le mieux. Je sais pas, tu peux m'en dire plus sur l'antenne? Ok, d'accord. Tu sais qu'il existe des moteurs qui te permettent d'incliner l'antenne. Ça peut être une idée, justement, là, pour sur le toit du combi. Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, non, c'est trop moderne tout ça. Il faut de l'électricité et tout. Non, un combi, c'est rien. Plus moderne, c'est... Ok, d'accord. Ouais, tu m'as dit que demain matin, tu allais te lever de bonne heure. Donc, ok, je vais pas te retenir bien longtemps parce que j'ai tendance à être un petit peu trop bavard. Et si je te laisse pas aller te reposer, là, dans 3 heures, tu vas être encore en QSO avec moi. Hachi. Ah, bah, connaissant, ouais, c'est clair que ça aurait été hier. On aurait pu faire une petite nuit comme ça, tranquille. Mais non, là, ouais, demain, ça va piquer debout à 5 heures. Hein. Ok, pas de problème. Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais profité un petit peu du DX là, depuis qu'on est arrivé. Eh ben non, il y a que. Non, j'avais d'autres obligations. Il y a que là, là ce soir, où disons que le fiston, sa petite famille, reprennent le boulot ben, demain matin de très bonne heure. Alors, ben, pour le coup, ben, on s'est séparés, on va dire, on est parti chacun de son côté, là, tout à l'heure. Là, il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures de ça, quoi, pas plus, hein. Voilà, hein. Donc là, ce soir, ben, ce soir, pour nous, c'est quartier libre. Demain, quartier libre, on va voir ce qu'on va faire. On va aller visiter un petit peu la région et tout, ça, tac. Donc, aléatoirement, en fréquence. Et puis mardi matin, ben, de bonne heure, paf, on reprendra la route direction ben, le secteur de Saint-Émilion. Ah, je suis trois coups. Pourquoi le canal Tandebeu? Eh bien, c'est le canal, c'est la fréquence monitor des kilomags. Bon, c'est vrai que normalement, sur le 32, on est généralement en PLU, mais rien n'empêche d'être aussi en AM ou en FM. Et d'ailleurs, là, on a en AM, et puis voilà, quoi.
Mais là, on est entre Kilomike sur le canal, sur la fréquence monitor de Kilomike. Voilà. Ok. Donc, je vais te laisser partir. Je vais continuer à profiter un petit peu. Là, je suis en push arrêté. Là, le moteur en marche. Parce que, bon, bah, évidemment, j'ai pas envie de vider la batterie. Surtout que, tiens, pour la petite anecdote, la batterie est toute neuve. Deux jours avant de prendre la route, paf, la batterie qui me lâche. Là, le soir, déjà la veille, j'avais un petit souci et tout, ça. Bon, ben, ok, j'ai mis le chargeur et tout, ça, tac. Elle a bien chargé. J'ai sorti le chargeur après en soirée. Le lendemain matin, plus rien. Bon, d'accord, la batterie morte. Et vite, là, je suis sur une batterie neuve. Alors, pour le coup, ben, je reste le moteur en marche, hein, le temps 2. Et puis, bon, j'ai un peu quand même l'Alfa Lima qui est derrière en marche. Histoire de passer, parce que bon, il y a la propag qui est là, ceci, cela. T'as vu là, je commence à monopoliser un petit peu ton micro. Je te laisse filer. Ok, c'était avec plaisir de t'avoir en fréquence. Les bonnes 113-51 à toi, 212 au QIRA. Bon pro pour demain. Et ben, à la prochaine sur la région. Alors, je ne sais pas si ça sera dans un an. Enfin, dans un an, si. Ça, c'est sûr. Aux environs du week-end, de la période du lundi de Pâques, je ne sais pas. Il y a peut-être un bruit qui court dans ce sens-là. Je ne sais pas. On verra bien comment le sens du vent va pousser la chose. Et merci pour l'appel que ouais bah tu m'as entendu tout à l'heure, ok. Merci pour avoir répondu en fréquence. Et attends, je commence à bafouiller là. Je vais te laisser filer, merci, les 73 à toi, bye. Ah, il n'y a pas de soucis, hein, pour la fréquence. Non, franchement, ça fait plaisir. Je peux écouter parfois ces messages pendant deux jours, je dois prendre un peu de route. Ok, merci, il n'y a pas de problème, c'est dans la boîte, comme dirait l'autre. Les 73 ont tourné, en plus t'as vu l'heure, en principe là on est au gastro solide à ce temps-là. Mais on a tellement bouffé, on a tellement graillé là aujourd'hui, on a dû sortir de table, et ben oui, attends, on a sorti de table, il devait être, je sais plus, vers les 3h par là, les 15h je veux dire. Autour de ça, qu'aurore là pour le coup on n'a même pas faim ce soir. Ok, je te laisse filer, les 113-51, 212 QIRA, les 88 retournés de l'XYL qui est à côté de moi dans le push. À la prochaine. Wow, il y a un breco qui me passe à fond la gamelle. Ok, ciao à toi. Oui, le breco, les 213-51 de Dandy 33, 14 km, 33-01. En ce moment, on push arrêté sur le nord-ouest de France, le département du Pas-de-Calais, directement dans la ville de Calais, face à la Manche. Le nord de l'Italie, ça passe comme un boulet de canon ici. Ah, c'est pas compliqué, le nord de l'Italie, là pour moi, vous êtes juste à quelques mètres de moi. C'est tellement que ça passe fort ici. Même les stations locales n'arrivent pas à passer aussi fort que vous, l'Italie. Ah, perfetto. Et quel est le nom de la tua città?
J'ai un petit peu de mal à vous comprendre. No speak Italia, I speak French. Désolé, je ne parle pas italien, je parle que français. C'est un petit peu compliqué pour comprendre. Vous avez l'air de bien comprendre le français en tout cas. Alors ici, dans la voiture, je suis avec un président Lincoln 2. Et au niveau de l'antenne, j'ai une antenne Wilson 5000 sur le toit de la voiture. Et là, je suis sur le bord de l'eau, le bord de la Manche, face à l'Angleterre, sur la ville de Calais. Bon, ben là, pour le coup, je l'ai perdu. Ah oui, comme cela, il n'a rien compris à ce que je lui ai dit, c'est normal, moi non plus, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Voyons un peu. Alors, bien souvent, dans le nord de France, dans ces coins-là et tout, ils arrivent à entendre le Québec. Ah ben là, pour le coup, moi, c'est l'Italie qui me passe plein pot. Alors, je m'attendais à entendre l'Angleterre, puisque bon, alors sur la caméra, c'est à l'extrême droite, là, c'est, on voit pas bien, non, on voit pas bien du tout même. Je peux pas me. Non, je suis en train de regarder par rapport à mon emplacement de stationnement. Je peux pas me tourner face. J'ai une idée, je vais peut-être pouvoir régler ça. Je vois des droits devant là. Il y a des véhicules qui sont mis en épi. Ça peut peut-être m'aider ça. Je reviens de suite. Alors voilà. Bon là pour le coup je suis garé en épi dans le sens inverse. Alors là l'Angleterre est en pleine vue de la caméra côté gauche. Ah oui, personne n'est parfait. On a le port de Calais au fond à droite. J'ai l'impression que c'est meilleur en AM. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le nord-ouest de France, la ville de Calais.
Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis le nord-ouest France sur la ville de Calais. Attention Dundee, attention Dundee 33, parce que t'as la copie de ma vie de l'émission de la France, le sud-ouest de France, le département 65, n'est pas Alors j'ai compris Malibu, Département 65. Département 65 ? Ok, département 65. Ok, d'accord. J'ai eu un petit peu de mal sur le coup. Les 73-51, voilà, de la part de Dundee 33. Indicatif 14, kilomètre 33-01. Voilà, opérateur Rémi en push arrêté sur la ville de Calais face à l'Angleterre. Bon, j'ai l'impression que je suis pas au meilleur endroit encore parce que là j'ai du bruit là, j'ai de tout et n'importe quoi qui monte à Santiago 7. Je vais voir si je peux trouver un autre emplacement qui sera meilleur là pour le coup parce que là c'est vraiment pas le top. Je t'ai entendu la station parler derrière, mais bon c'est tout, pas plus quoi. Je reviens, je QR momentanément le temps de me trouver un meilleur emplacement, je reviens de suite. Oui, Malibu, ça y est, voilà, je suis de retour. Ce coup-ci, voilà, là où j'étais tout à l'heure, j'ai une espèce de balise qui s'est arrêtée, qui s'est installée sur la fréquence. Là, je me suis éloigné, j'étais me mettre un peu plus loin. Et là, ça a l'air d'être QRO, là, pour le moment. Ok, les 213 retournés, voilà, puisque tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué pour te sortir. Donc, de Dundee 33, sous le département du Pas-de-Calais, sur la ville de Calais, face à l'océan, face à la Manche, pardon. Voilà, retour à Chi. Un espèce de bruit à bas. Malibu, je sais pas si tu es toujours derrière, mais avec la propague, j'ai une espèce de brouhaha, c'est hallucinant. Ça passe par-dessus tout le monde. Attends, je regarde sur un autre canal ce qu'il en est. Là. Je reviens de suite. Hein. 21. Ok Malibu, si tu m'entends, si j'arrive à passer par-dessus, je pense que ça va être l'Italie. Et si j'arrive à passer par-dessus, passe le canal 21. Il a l'air d'être propre là, le 21. Donc canal 21. Ok Malibu, est-ce que tu m'as reçu? Est-ce que tu as fait QSY sur le 30, sur le 21 pour voir ce que ça donne? Attention Malibu, si tu m'entends, passe le canal 21, 2-1, 2-1, 21. Attention Malibu pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Malibu pour Dundee 33 qui t'appelle. Eh ben tant pis. Les aléas de la propague. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le nord-ouest France, département du Pas-de-Calais, QTH Calais.
Bon, ben c'est pas grave, je crois que je vais essayer. Le canal est occupé par, je pense que ça va être l'Italie, j'imagine, qui est derrière. Je crois que je vais aller voir plus haut, là, en BLU. Pourtant, la propague, elle est là. Elle est là, elle est en AM. Il y a du monde derrière, mais bon, c'est pas grave. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais. Eux sont sur leur fréquence habituelle, ils dérangent personne. Ok. Tiens. CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel depuis le nord-ouest France et qui propose un QSY sur le 27-505. 27-505, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile arrêté depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile arrêté depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais. Ça y est, là je t'entends, les 73, la station, 14 km 3301, voilà, sur le nord-ouest France, la ville de Calais. Oui, la station qui m'a répondu. Bon, j'ai pas compris, là c'est... bon, c'est pas grave. CQDX, appel de 14 km, 3301, depuis le nord-ouest France, et qui vous propose un QSY sur le 27-505. 27-505, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile arrêté depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais, face à la Manche, face à l'Angleterre. Bon, les stations sont là, mais bon, c'est bizarre ce soir.
CQ CQ CQDX, appel sur la fréquence monitor des kilomètres pour 14 km 3301 qui lance appel en mobile arrêté depuis le nord-ouest de France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis le département du Pas-de-Calais, QTH Calaisville. C'est quand même assez étonnant d'être dans la déconnade à une brassée de l'Angleterre et ne pas les entendre. Alors celle-là, elle est pas mal. Il y a juste un bras de mer, juste la Manche. Là, toute la journée, on apercevait justement des côtes anglaises. Et puis là, ne pas arriver à les entendre. Alors que quand on est beaucoup plus loin sur, en France, comme de mon côté là sur la Gironde, là par contre on arrive à les entendre, mais pas ici. Le mystère des ondes. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile arrêté depuis le département du Pas-de-Calais sur la ville de Calais. Il y a un bateau qui est en train de passer au loin là. Ah, normalement on doit le voir sur la caméra. Quoique avec les phares de voiture qui éblouissent un peu la caméra, c'est pas évident. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en push arrêté. Depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, la ville Calais. Ah, là on voit les deux bateaux qui sont en train de qui vont se croiser. Ah, c'est les coups qui se télescopent. Ah bah si, les stations étrangères s'y mettent en FM aussi. Bon, d'accord. Compris. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301 depuis le nord-ouest France et qui propose un QSY sur le 27 525. 27 525, c'est parti pour moi. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile arrêté depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calaisville.
de quel côté se trouve Adolphe, la caravane? De quel côté se trouve le lit? Sur le 30, tu te mets sur... moi je suis sur le 30, là. Et le 30, c'est la directive. Eh bien, ça passe pas. Ça ne passe pas. Je vais essayer, Adolphe, tu m'entends, Adolphe? Oui, tu n'entends pas petit Louis Dolph là, il a essayé le temps, mais non, il n'arrive pas. C'est le département de la Gironde, le département 33 là, que j'entends aussi bien là ici. Break pour le département du Pas-de-Calais. Break pour le département du Pas-de-Calais. Break pour le département du Pas-de-Calais. En général, les rubis, ouais, ça répond pas. Et le QCC, là. Ah, y a un morceau de bande où on entend un bruit de moteur et pas ailleurs. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, qui lance appel depuis le nord-ouest de France, et qui propose un QSY sur le 27-505, 27-505, c'est parti pour moi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en couche arrêtée depuis le nord-ouest de France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en push arrêté sur le, depuis le nord-ouest de France, le département du Pas-de-Calais, QTH Calais. Bon, la cassa ne veut pas répondre.
Alors il y a du monde pourtant, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Faut pas chercher à comprendre. Ah, je vais tenter un truc. CQ DX, appel en direction du Québec-Canada. Appel en direction du Québec-Canada de 14 km 3301, opérateur Rémi, et qui propose un QSY sur le 27 505 27 505. C'est parti pour moi. C'est pour le coup que. CQ DX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile en push arrêté depuis le nord-ouest France, le département du Pas-de-Calais, sur la ville de Calais. Oui, le break, les bonnes 73-51 à vous, 14 km 3301, voilà, en push arrêté sur la ville de Calais. Ok Philippe, les 73-51 retournés, oui d'accord je vois, ça marche effectivement. Achib, ça fait plaisir de pouvoir t'entendre à ce coup-ci là, autre que par internet. Voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. Non, c'est pas évident ce soir là pour arriver à attraper quelqu'un. Il y a du monde de partout. En AM, bon, la propague a fait un petit peu de yo-yo. Était surtout sur le, c'est passé par le Portugal, l'Italie. Parce que bon, j'étais sur le 19 tout à l'heure. J'ai perdu deux stations comme ça, là sur le 19. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu retourner après, j'ai bougé et tout ça, parce que c'est vrai que bon, ça c'est l'avantage quand on est en mobile. Quand ça perturbe trop un endroit, eh bien, on va ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai perdu du monde tout à l'heure. J'ai une balise qui s'est installée en plein sous le 19. Alors que juste avant ça, j'avais que dalle, ça passait bien. Hachis trois coups. Et là, en BLU, c'est vrai que j'entends des stations françaises un petit peu partout et tout ça. Et c'est pas évident d'accrocher quelqu'un ce soir. Hachi, il faut dire que si, pourtant j'ai entendu du monde, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas hein. Alors le petit truc qui me surprend un petit peu, c'est, tu vois, là je suis juste en face de l'Angleterre, je vois la flotte, je vois les bateaux passer, et être aussi près et ne pas arriver à entendre les Anglais, c'est quand même assez curieux ça, et peu importe la fréquence hein. Alors que depuis la Gironde, j'arrivais à les entendre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Rémi. C'est vrai que c'est pas possible de les accrocher. Il y a un endroit où on arrive à. On les entend un petit peu plus, mais pour monter un petit peu en hauteur. Alors je ne sais pas exactement où, sur quel QTH tu te trouves. Hein. Je ne sais pas si c'est monté là-bas, sorti de Sangas, la direction, ce qu'on appelle le Blanet, hein, où on se trouve à 110 mètres à peu près. Et où là éventuellement il y a peut-être des chances de pouvoir les choper au passage. Après je sais que les Anglais pratiquent avec des fréquences, on pense pas en dehors du LC, hein. Si on les entend dans FM et tout ça, ils ont des fréquences du style 27, 505, quelque chose qui fait derrière. Donc c'est un peu compliqué. Moi de mon côté, je n'ai pas entendu grand chose, il y a un petit peu de propagation, mais j'ai répondu un peu de souffrance. Mais avec le long fil, un peu de mal, retour. Ok, merci pour le retour. Tiens, tu parles de long fil. Il y a quelques temps, je m'étais taillé justement un long fil qui devait faire, je sais plus, autour des 44 mètres, un truc comme ça. Quoi. Donc, autrement dit, ce que j'avais fait exactement, c'est la longueur d'onde x 4. Voilà, pour arriver à avoir. Là, j'ai résumé dans le calcul, Hachi.
Et le gag, c'est que l'antenne, alors je recevais sur pas mal de bandes de fréquences, mais arrivé sur le 11 mètres, elle devenait sourde. Ah, j'ai dit, bah zut alors, là c'est le gag. Bon, il aurait fallu que je rajoute, je sais plus, je confonds toujours, je sais plus si c'est un ballon ou un chuck ballon. Je sais plus lequel des deux que tu branches entre le coax et l'antenne. C'est celui où tu fais le bobinage avec le coax. Voilà, j'ai tendance à confondre les deux. Bon, ben, c'est celui-là. Il aurait fallu que je mette ça entre les deux et apparemment ça m'aurait résolu le problème. Bon, j'ai eu la flemme de le faire, bon, c'est pas grave. Ça sera pour une autre fois. De toute façon, mon long fil, je l'ai gardé de côté. Hein. Donc, c'est pas perdu, ce sera pour une prochaine fois. Alors, par contre, toi, là, tu me dis que tu n'entends pas grand-chose de ton côté. Alors là où je suis exactement, je suis face à la Manche, mais dans la partie extrême sud de Calais. Voilà, si tu connais le coin, quand tu longes le front de mer, que tu vas en direction du sud, arrivé à un moment donné, tu as un virage à gauche avec un parking juste en face. Eh bien, je suis juste là, limitrophe au parking, si tu connais bien le coin. Limitrophe commune Blériot-Plage, sur le parking, hein, pour la plage quand il est bon. Exactement, voilà, je suis exactement là. Là, je suis dans le virage. Alors, si je m'avance un peu plus vers le front de mer, autrement dit, parallèle à la flotte, alors là, je me retrouve avec du QRM en pagaille. Hein. Plus une balise, ceci, cela. Et là, je suis juste en entrée du virage, là, pile face à la Manche. Ouais, sinon, il y a un autre petit là. Il y a on a un rigolo là qui est en train de passer derrière là de jingle. Ouais, je vois très bien où tu vas dire, puisque là bon depuis quelques années, depuis 2 ans, depuis 2 ans j'ai le fiston là qui habite ici, là sur Calais. Et l'année dernière, à la même époque, bon, on est venu de ça, tac, et il nous a fait visiter un petit peu. Et ce point haut, justement, il nous l'a montré, quoi. Bon, j'ai pas eu le temps vraiment, parce que moi, ils étaient avec nous, j'ai pas voulu les emmerder avec la CB, parce que bon, c'est pas trop leur truc. Hein. Et bon, on était monté là-haut et tout, et c'est vrai que là, il y a un sacré point de vue. Hein. La vache! Là, il y a effectivement de quoi faire. Hein. Ça, là, il y a de quoi arroser partout. Hein. Ok, alors il y a un autre QSO qui s'est installé derrière. S'ils nous entendent comme moi je les entends, bon, ça n'a pas l'air de trop les déranger, on dirait. Hachis trois coups. Du coup, j'ai pas eu Roger de toutes les explications que tu m'as données. Mais en tout cas, oui, ce point culminant, là, ce point de vue là que tu me parlais là tout à l'heure, ah, c'est vrai que là c'est excellent. Mais bon, vu l'heure qu'il est, j'ai pas trop envie d'aller galoper là-bas. Bon, je connais pas trop la région, mais bon, il suffirait que je mette Joanne un petit peu sur une carte. Moi, j'irai facilement, mais bon, vu l'heure qu'il est, je suis un petit peu fainéant là pour le coup. Ouais, c'est vrai, il y a quand même un peu de temps pour monter là-haut. Il y a quand même 4 minutes de route, 5 minutes de courant. Voilà, je pense que c'est un peu vu qu'il y a du monde sur 495, ça marche, c'est parti pour moi. Non, 500. 500.
Alors, tu m'as bien dit 495, si tu réponds pas, c'est que c'était 595. Oui, affirmatif. En plus, le fiston, le fiston, il n'est plus tout seul. L'année dernière, on a vu qu'il s'était mis en ménage et tout ça. Ok, bon, d'accord. Eh bien, il a fait plus que se mettre en ménage. Il a trouvé le moyen de d'avoir à son tour un gamin, quoi. Mais putain, la vache, le bestiau, oui. Alors, il a, assieds-toi bien. Il a 9 mois, il a n'importe quoi, c'est l'inverse. Il a 4 mois, il fait déjà 9 kilos et des brouettes. La vache! À la crèche, alors là, ils rigolent à ce niveau-là parce qu'ils sont tous persuadés qu'il doit avoir au moins 8 mois, quoi, quelque chose comme ça. Là. Parce qu'au niveau taille, c'est pareil. Hein. Alors quand tu le prends dans les bras, putain, t'as l'impression d'attraper un bloc de plomb. Oui! Alors justement, c'est là où tu vas rire. Alors moi, l'enseigne de grand-père, ça me fait fuir. Parce que qui dit grand-père imagine le mec avec une canne. Le grand-père là qui a du mal à marcher et tout avec sa canne, quoi. Pour le coup, je prends peur sur le coup. Alors, et pour rigoler comme ça, justement, quand on s'était vu l'année dernière, parce que bon, à ce moment-là, déjà, bon, elle était enceinte depuis peu, hein. Ils nous annoncent tous les deux la couleur, et moi, c'est sorti du tac au tac, moi. J'en dis comme ça, je suis trop jeune pour ces conneries, quoi. Ah, je suis trois coups. Ah, mais qu'est-ce que tu veux ? À un moment donné, je dirais, les choses nous rattrapent quand même. Bon, et puis c'est sûr, ça doit être un coup derrière la tête quand même, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est dans l'ordre des choses, hein. Tu auras peut-être l'occasion après, quand tu seras un petit peu plus grand, je dirais de lui apprendre la radio, Rémi. Oh oui, c'est possible, hein, c'est pas impossible. D'autant plus que je sais pas, j'observe un petit peu l'XYL. Elle a quand même regardé les agences immobilières comme ça et tout. Je serais pas étonné que d'ici la retraite. Si ça veut bien le faire, si en plus de ça on gagne au loto, si en plus de ça on pourrait arriver à vendre rapidement la maison sur la Gironde, bon, avec des si on met Paris en bouteille, c'est clair, mais bon, je serais pas étonné qu'elle soit tentée de qu'on déménage pour habiter par ici, quoi. Quand même un cul-là, hein. C'est ici,
après avec le changement climatique, ça risque de s'arranger quand même. Mais bon, c'est des années comme cette année, c'est quand même assez exceptionnel et puis bon, faut savoir. Hein. Moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois, je chercherais plutôt à fuir dans le sud. Ouais, mais bon, tu sais, hein, l'être humain est comme ça. Hein. On veut toujours l'opposé de ce que l'on a. Mais bon, tu sais, dans le sud, et surtout là sur le sud-ouest, hein, là c'était cuisant. Hein, mais vraiment au sens propre du mot, c'est tu sors dehors, tu sentais comme une brûlure. Hein. Parce que bon, on a quand même eu des températures de 47 degrés. Hein. Je peux te dire que 47, ça fait chaud. Hein. Ça fait très très chaud là au QRA. En plus de ça, là où je suis, bon, on est à 10 km à l'est de Saint-Émilion. Et là où est la maison, c'est une petite cuvette. Donc on a deux sites de température supérieures un petit peu à d'autres endroits. Quoi. Et là, c'est vrai que waouh, c'était compliqué la nuit pour dormir, ceci, cela. C'est à chaque fois la journée, là tu sors dehors, tu prends une suée de suite. Hein. Et même si moi, par perso, je suis assez sensible au froid, bon, je dirais que bon, l'hiver tu te couvres. Hein. Mais par contre, l'été, hein, quand t'as tout enlevé, hein, t'as quand même trop chaud. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que l'hiver, si t'as froid, bon, bah, comme tu dis, hein, tu te couvres. Et puis. Ça va bien. Par contre, bon, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça devient trop cuisant, c'est un peu compliqué. Hein. Ça devient quoi, 47 degrés, ça fait chaud. Là, moi, sur le centre France, au niveau du boulot, on a eu des températures, on a eu des journées, hein, comme je disais, 42, 43 degrés, 42 degrés, je crois. C'est, ouais, comme tu dis, quand tu sors, c'est très chaud. Bon. Après, genre de température que ça, j'ai plus ou moins connu ça en allant pour du cap en Afrique de l'Est. Oh la vache! Je me souviens quand tu suis à la sortie de l'avion. Dans l'avion, c'était bien, c'était climatisé. Et ensuite, hein, quand ils ont ouvert la porte et que je me suis pointé au niveau de la porte, j'ai eu l'impression de mettre ma tête, de monter comme si j'étais chaud. Les gens sont en cours, bah, ça faisait la même idée. Ah la vache, oui. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui. Et je vois des reportages aussi là sur l'Australie, tout ça quoi. J'aime bien, moi je suis curieux, moi de j'aime bien voir comment c'est ailleurs, ceci, cela et tout ça. Je suis curieux moi à ce niveau-là. Et quand je vois des fois là comme en Australie par exemple, en intérieur des terres, où ils ont des températures de 52 degrés, des trucs comme ça, ou même en Afrique, Afrique centrale, où c'est pareil aussi, je crois que sur les États-Unis, là, en plein désert, j'ai oublié les noms, ils ont aussi des températures qui tournent dans les 50 degrés, tu pleures, hein. Au secours, là. Là, tu cherches la fraîcheur. Hein. Alors, je sais pas, peut-être qu'un peu plus frais, tout compte fait, là, ici, sur le nord-ouest de France, c'est peut-être pas si mal que ça. Hein. Même si malgré tout c'est quand même assez un climat anglais qu'il y a par ici. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est en train de changer. Hein. Donc on verra bien. Enfin bon, de toute façon, pour revenir à Alexis YL, si elle veut aller dans ce sens-là, arriver à la retraite, voir s'il y a possibilité de se rapprocher de ce côté-ci, moi de toute façon, dans tous les cas, je suis toujours partant. Hein. C'est... alors là, je suis pas marié à une région, loin de là. La seule personne avec qui je suis marié, c'est avec XYL et puis c'est tout. Tout le reste, l'endroit où je suis, mais j'en ai rien à taper, c'est... elle me dit on déménage, ben pourquoi pas, ok on y va, et puis voilà. Le plus long, ça va être de démonter la station, non je plaisante. Ah si quand même, j'ai un peu de boulot quand même pour démonter la station. Bon, ce qu'il faut c'est trouver un endroit où tu peux remonter la station quoi. Et là, faut vraiment le trouver quoi, faut vraiment trouver la petite maison je dirais avec le petit bout de terrain qui va bien, tu sais, pour pouvoir être tranquille, pas avoir de voisins immédiats, et puis pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut.
transport pour Petit Jardin. Et je dirais monter les aériens et puis Ouais, affirmatif. Surtout que de toute façon, si un jour ça veut se faire, j'ai quand même dans l'idée. Bon, là on est dans les hypothèses. Hein, j'ai quand même dans l'idée de ce jour-là où on visiterait une maison et tout ça, de quand même regarder rapidement au niveau du poste dans le push ce que ça donne. Parce que alors là, si c'est complètement saturé de QRM. Je me fous de ce que me dira le XYL, ça sera non quand même. Alors là c'est sûr. Je veux pas. Je suis d'accord pour déménager, hein, ou que ce soit, ça m'est égal. Mais si je peux pas monter la station à cause des QRM, ceci, cela, alors là, c'est sûr que là, ça va pas le faire. Parce que bon, c'est vrai que j'aime bien faire de la CB en mobile. La CB mobile est même quelque chose d'un peu plus magique que toujours en fixe. En fixe, à un moment donné, je dirais pas que ça devient rengaine, mais il y a une espèce de petite routine qui va se faire. Et puis en fixe, c'est de suite plus facile. Et alors que... Oui, qu'est-ce que je me suis perdu dans ce que je vais dire. Oui, voilà. Alors qu'en mobile, tu vas te mettre où tu veux et tout. Mais à l'année, toujours aller dans le mobile pour voir s'il y a de la propague et tout, je crois qu'on devient feignant. Et là, pour le coup, on aime pas mal le fixe également. Alors si je dois pas pouvoir faire quoi que ce soit en fixe, c'est sûr que là, ça le fera pas. Hein. Il y en a une qui risque de m'entendre ronchonner sans arrêt, quoi. Ah, chi. Tout à fait. Et puis c'est vrai que quand on est en fixe, on a tendance à devenir un petit peu casanier et ça déplaît pas. Hein. Achille, hein. On devient un petit peu fainéant pour le coup. Mais autrement, c'est vrai que autant j'adore le mobile, autant je me vois pas. Comme certaines stations qui ne peuvent pas s'installer en fixe, systématiquement aller dans le push pour voir s'il y a du monde en fréquence. C'est vrai que là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on devient un petit peu vite feignant et qu'effectivement, oui, le fixe c'est pas mal. Et c'est vrai que je comprends aussi ceux, comme je vois là sur les réseaux sociaux, qui peuvent pas forcément se mettre en fixe
parce que bon, ils sont en appartement, ceci, cela, c'est pas évident. C'est vrai que c'est y a des situations qui sont pas simples hein, quand même de pour s'installer. Hein. Donc c'est sûr que quand tu arrives sur un QTH et tout ça, tu as tout intérêt à voir ce que ça donne et tout ça avant de te lancer dans un déménagement ou quoi que ce soit. Hein. Eh oui, tout à fait, oui. Tiens, ça me fait penser à un truc. C'est comme je vois justement au niveau des réactions par rapport à telle ou telle antenne, antenne de fixe, là, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent « Ah, cette antenne-là, c'est de la merde, ceci, cela, ainsi de suite. » Non, mais c'est que ce qu'il faut qu'ils comprennent justement par rapport au QTH, c'est qu'on ne choisit pas une antenne sur un coup de cœur, mais on choisit une antenne par rapport à là où on est. C'est comme par exemple, tu es en pleine ville avec tes saturés de QRM, ceci, cela, eh bien il faut surtout pas prendre une 5/8e. Même si une 5/8e marche mieux qu'une demi-onde, ceci, cela, il faut voir justement le rayonnement de l'antenne et tout ça. Déjà, quand il y a du QRM, les antennes à radiant, faut éviter. Il vaut mieux aller vers une antenne demi-onde, où là, le rayonnement va plus partir vers le haut. Donc, au niveau réception, on attrapera moins les QRM. C'est, faut vraiment adapter la station par rapport au QTH, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand c'est saturé de QRM, de toute façon, je pense que ça doit être saturé de QRM pour tout le monde. Puisque, quoique, c'est pas toujours évident. J'ai un copain, là, j'ai un ami, là, qui est sur la banlieue ouest de Bordeaux. Alors, il s'était monté. Alors, moi, de mon côté, j'ai une Sigma Mantova 8. Bon, c'est une très bonne antenne, hein, très bien connue pour le DX. Et j'en suis toujours très content et tout, ça. Et j'ai un ami, justement, qui est sur Saint-Médard-en-Jalles, donc banlieue ouest de Bordeaux, en plein quartier résidentiel et tout, saturé de QRM. Eh bien, il avait en permanence un QRM de 7 chez lui. Alors, du coup, il a revendu une antenne, il a pris une demi-onde à la place, et bien là, ça va de suite beaucoup mieux. Il peut faire des QSO locaux, il peut faire du DX, ça marche beaucoup mieux, quoi. C'est tout QRO pour lui, quoi. Alors, je sais pas, peut-être que si l'OM aurait tenté avec une demi-onde au niveau de ce QRA, maintenant, c'est sûr que s'il est en appartement, là, c'est cuit. Hein. Mais le problème, c'est quand t'es en pleine ville, t'as pas toujours la possibilité aussi de monter tes aériens, je dirais, en espace libre. Donc, c'est ça aussi qui complique pas mal les choses. Et moi, de mon côté, hein, c'est un peu ce que j'ai. C'est que si je vais à l'extérieur, pas vraiment en espace libre, j'ai des murs, j'arrête partout. Et ensuite, tu vois, mon dipôle de Lyon que j'ai sur mon 450D, se trouve sur voiture. Ok, d'accord. Par contre, là, j'ai l'XYL qui vient d'arriver avec des sandwichs. Alors, puis en plus de ça, il y a la propague étrangère qui est en train de monter de haut derrière. Par moment, c'est un petit peu limite. Hein. Alors, de mon côté, je vais œuvrer pour la bonne cause. Hein. Je vais pas faire de gâchis. On va attaquer les sandwichs. Désolé de couper court, mais là, il faut que je fasse ma bonne action, là, pour le coup. Hachis trois coups. Au fait, si ça ne te dérange pas, là, j'ai fait une vidéo.
Si ça te dérange, eh ben, je couperai toute cette partie-là, c'est pas un problème. Hein. C'est ça me dérange pas du tout. Vas-y, redis-moi ça là, par retour de micro, puis après, là, je t'enverrai sur 1351. Je te laisserai attraper d'autres contacts pendant que nous on fait notre OBA à ne pas laisser perdre les sandwichs là, de notre côté. Hachi. Merci pour la vidéo. En ce qui me concerne, c'est OK pour moi. De toute façon, comme ça, j'aurai l'occasion d'entendre la modulation avec le 450D. Écoutez, j'ai traité toi et ton ici, Gretel, ton GoPro. Peut-être au moins pour lui depuis ensuite. Donc, je vais te renouveler mes 73-51. Puis, je vais te dire, je vais te passer la bonne soirée parce que. Merci. Alors, on reprend la route de la Gironde mardi. Bon, j'ai des trucs à faire aussi au QIRA. Donc, n'attends pas la vidéo avant la fin de semaine. Hein. C'est, puis en plus de ça, ça prend quand même pas mal de temps pour la travailler. Puis en plus, vu que je suis en push, j'ai un montage assez particulier au niveau vidéo parce qu'en même temps, j'ai la caméra de route hein, qui est en marche. Hein. Donc tu pourras voir en même temps là comment ça se passait là de mon côté là au niveau des environs. Voilà. Donc là ça me demandera un petit peu de temps là pour travailler tout ça. Ok, merci pour le QSO, ça a été super sympa là, de t'avoir en fréquence. C'est vrai que comme j'ai tout à l'heure, internet c'est bien, mais la radio c'est quand même nettement mieux. Donc les modes 113-51, 212 au QRA de ton côté. Merci pour ce contact. Tu verras, c'est au niveau du signal, c'est resté stable d'un bout à l'autre. Au niveau de la radio, c'est une radio qui est très propre. En plus, tu dois avoir un bon micro parce que la modulation est ni trop grave ni aiguë. Elle est juste comme il faut. Voilà, allez, les 73 retournés, merci, bye, et bah, à très bientôt, soit par les ondes ou autrement. Merci, bye. Ok, bon, de toute façon, vu comment j'arrose dans les partages, je crois que tu le sauras très vite. Ok, merci à toi, les bonnes 73 retournées, à la prochaine sur les ondes. Salut. Salut.